Salut à tous les amis, c'est Lady, comment allez-vous? Moi ça va super bien. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour la suite de notre aventure sur Minecraft, sur la Survivania Minecraft 1.19. On est épisode 9-10 aujourd'hui, peut-être entre le 9 et le 10. On s'était, dans le précédent épisode, les amis, aventurés dans le Nether. On est toujours dans le Nether d'ailleurs, je tourne cet épisode à la suite. Et on avait trouvé un vestige, un vieux vestige. Et on est tombé sur une espèce de boss vraiment beaucoup trop fort qui m'a déglingué. Qui m'a littéralement fait beaucoup trop mal. Et du coup, je me suis barré tout de suite. Parce que du coup, il faisait beaucoup trop mal. Et on a fait vraiment failli crever. Ça s'est joué vraiment à rien du tout. Donc voilà, maintenant, littéralement, on va essayer de retrouver le portail. On va repartir vraiment dans l'autre sens. Parce que on trouve toujours pas de forteresse. Alors, c'est pas le genre de forteresse que je voulais. On trouve un vieux bastion, mais moi, c'est pas du tout ça que je voulais. C'est vraiment, moi, par exemple, trouver une forteresse du Nether classique. Ça me paraît quand même vraiment compliqué. Étant donné qu'on a fait un bon petit tour quand même autour du portail, et on a pour le moment rien trouvé. Je pense de toute façon que là c'est le biome rouge de toute manière, et le biome bleu doit être dans l'autre sens, donc il va falloir qu'on traverse ça. Logiquement j'ai une pièce d'armure en or, donc logiquement ils ne peuvent pas m'attaquer, sauf peut-être les trucs qui chargent, les chargeurs justement. En tout cas lui il peut pas m'attaquer, ça c'est sûr. Est-ce que... Non, c'est bon, le chargeur m'attaque pas. Parfait, bon, bah nickel. En vrai, franchement, avec une armure en or, on attaque personne. On fait juste de traverser. Ça va très très bien, c'est super facile. Par contre, ouais, c'est juste justement le bordel. Si, on se fait attaquer, ou si du moins notre pièce d'armure casse, ou on attaque quelqu'un par inadvertance, alors là, c'est le bordel tout de suite. Mais bon, pour le moment, ça a l'air d'aller. Donc on va tout simplement se rediriger dans l'autre sens du portail pour pouvoir essayer de chercher du coup une forteresse dans l'autre sens, de l'autre côté. Là on a clairement juste le bastion, on peut pas trop passer, clairement ça nous fait vraiment barrage, ça nous fait vraiment... ouais ça nous bloque vraiment, donc c'est un peu dommage. Donc on va vraiment essayer de passer par là. En fait j'ai l'impression, je sais pas du tout au bon endroit. Je sais pas pourquoi, mais c'est bizarre, j'ai l'impression de pas du tout être au bon endroit. Donc on va se redéplacer dans ce sens-là. Et on a encore une fois du coup un biome rouge. Hein, évidemment, je vais noter les coordonnées. Après, on n'est pas bien loin du portail. Hein. On est couche moins 200, moins... Enfin, coordonnées moins 200, moins 200. C'est pas non plus bien, bien loin. Spécifiquement, regardez, là, on a un biome assez intéressant là-bas. J'aime bien. Mais pourquoi il me charge, lui? Mais pourquoi tu me charges, mec? Je suis en or. Pourquoi il me charge? C'est bizarre ça. Bon bref, c'est pas grave. Il m'a retiré pardon, beaucoup trop mal. Il m'a retiré pardon, beaucoup trop de cœur. Hop, voilà, ok. Allez, on passe par là du coup, par le sable d'âme. On a du coup trouvé les... On a découvert pardon du coup les trois biomes. Enfin les quatre biomes justement du Nether. Je sais pas si on reste d'autres des biomes. En tout cas, on est plutôt pas mal. On va récupérer les os. Comment je les casse les os? Ouais, avec une pioche clairement. On va en récupérer un petit peu, comme ça on aura bien sûr de quoi faire pousser tout ce qu'il faut. Mais par contre, le plus important c'est vraiment de retrouver déjà le portail, après on a les coordonnées, donc en soi on n'est pas bien loin. Et surtout, ça va être trouver une forteresse, hein. Clairement c'est toujours la même priorité. Mais par contre c'est dingue qu'on la trouve pas pour le moment. C'est dingue que ça n'ait pas spawn pour le moment. Bon, en tout cas c'est pas mal, hein. Tous les blocs d'os, vraiment, on est vraiment tranquille aussi. Je vais prendre ces coordonnées aussi d'ailleurs en screen. Pour retrouver facilement notre chemin au cas où. Ok, biome rouge là-bas. C'est bien grâce à Optifine quand même de pouvoir zoomer. C'est clairement un avantage assez conséquent. Yes, il a pété mes bottes en or. Attention au piglin du coup maintenant. J'ai pas d'arc, donc pour battre les squelettes c'est un peu pénible. Je vais juste quand même checker un peu les coordonnées du portail. Au cas où, parce que je me dis que... Alors, soit le biome bleu est juste après, derrière, juste après ça, ce qui est vraiment fortement possible. Mais... je me dis que c'est quand même un peu bizarre aussi. Toujours le biome rouge qui est ici. Le gros problème, du coup, ça va être toujours pareil, la traversée. Étant donné qu'on n'est plus équipé suffisamment... d'items en or. Donc, de toute façon, on va continuer à allonger ça. Je vais juste, par contre, les mecs, prendre les coordonnées. Ouais, je vais regarder les coordonnées, les mecs. Parce que là, ça me paraît quand même...
Ça me paraît quand même un petit peu bizarre. Portail. Ok. Donc c'est moins 36, moins 30. Et on est en couche combien? Donc on va déjà le noter. Moins 36, moins 30. Donc c'est déjà pas du tout dans cette direction. Voilà, c'est complètement par là-bas. À 400 blocs. Et moins 36, donc c'est par là. Ok, donc le portail est vraiment par là-bas. En effet, je l'ai bien passé. Je l'ai passé de loin. On va juste se remettre à l'entrée. On va devoir traverser le biome rouge. J'ai pas le choix parce que du coup, le portail sera sur notre gauche. Après, il y a 100 blocs, 150 blocs max. Donc on est vraiment pas si loin que ça. Par contre, on n'aura vraiment pas le choix du coup, par contre, sur la traversée du portail. Sur la traversée du biome, pardon. Donc on essaiera justement de bien rush, mais ouais. On n'aura clairement pas trop le choix. Oula. On est couche combien là? Moins 350. Je les ai notés, ouais, c'est bon. Nickel. Moins 320, donc toujours pareil, on va reculer toujours. Parce que du coup, ce biome, en effet, on n'avait pas découvert du tout. Attendez, je vais prendre un raccourci, vous savez quoi, on va prendre un peu des risques pour retrouver le portail plus facilement. De toute façon, logiquement, le biome doit pas être bien bien épais, le biome rouge. Yes. Alors là, il va falloir que je regarde un peu au-dessus de ça. On a un chargeur, ça va être super. Les squelettons, c'est pas forcément le... Ouais, c'est pas for... Non, c'est pas du tout le bon endroit à les mettre pour passer. Je vais traverser comme ça, tant pis. J'espère juste qu'il n'y a pas de squelette qui spawn. On n'a pas bien le choix. Oh là là. Ah mais il les monte en l'air en fait, même les chargeurs. On va rester en hauteur. Donc clairement, on est un peu cerné. On est un peu cerné là, clairement, j'ai pas envie de... Ouais. Wow, comment il se fait monter en l'air lui? Ok, on trace. Profite qu'il fasse diversion. Putain, le biome encore trop loin. Ok. Alors après, justement, la hauteur, par contre, j'ai pas été voir. La hauteur, c'est quoi la hauteur? C'est 101. Et on est couche combien? On est couche 87. Donc logiquement, le portail est au-dessus. Le portail est au-dessus. Et on est couche combien là? 97. Et on est en moins 30. Donc logiquement, le portail est par là-bas en fait. Faut justement que je continue dans cette direction. Pour essayer de le retrouver. Clairement, je pose pas un pied par terre. Là, vous posez un pied par terre, les mecs, c'est la mort assurée. Vous posez un pied par terre, les mecs, c'est la mort assurée. La mort au chichi, comme on dit. Hein. Attendez, mais je comprends pas, on est moins 105? Ah mais si le portail est par là-bas en fait. Ouais, bah bon, ok. On va déjà se remettre sur... On va déjà se raxer sur le Z. Ok, je vais m'arrêter là, je vais prendre 2-3 blocs. Histoire de pouvoir avoir 2-3 blocs assez sympa. Et vous voyez des bûches roux, les bûches comme ça, si j'aime bien dans de la déco et tout, ça peut vraiment être sympa. Bon, voilà, là, clairement, on est pas mal, on a 60 blocs. C'est pas trop mal. Ok, allez, parfait, on va vraiment se coller à ça. Pour retrouver facilement le portail. Donc, on continue d'avancer. Là, on va faire 200 blocs dans cette direction. Et logiquement, on y sera. À 70 blocs près, on y sera. On est couche combien? 84, ça va être un peu au-dessus.
Mais bon, ok, logiquement, on y sera. Bon, du coup, clairement, Forteresse, c'est un peu nul parce que du coup, on a été vraiment en long, en large, en travers. C'est vraiment pas le bordel. C'est un peu le bordel. Donc, de toute façon, ce qu'on fera pour le Nether, on le fera peut-être à la fin. Du coup, avant d'aller, du coup, je vais casser la pioche, je m'en fous. Avant d'aller justement, donc, péter l'Under Dragon, on ira vraiment en fin quand on sera vraiment full stuff diamant. Et on partira en full expédition pour essayer de trouver la forteresse manquante en fait. De toute façon, on n'a pas bien le choix. Mais ouais, clairement, c'est pas bien fameux. Ce n'est pas bien, 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 bien fameux. Ok, biome bleu, parfait. Ah ouais, alors vous voyez, c'est ça. C'est bon, bah du coup, le portail est par là. C'est un peu risqué ce que j'essaye de faire, mais bon, c'est pas grave. De toute façon, on le fait bien quand on va dans l'End, hein, donc pourquoi on le ferait pas quand on va dans le Nether? Faut juste pas qu'il y ait un ghast. Hein. Voilà, clairement, on entend un ghast, c'est fini. C'est finito si on entend un ghast. Je vais essayer, ouais, de toute façon, de traverser comme ça. Bon, logiquement, même si on tombe ici, alors juste pas d'Enderman aussi, on essaie de bien ne pas regarder le sol. Ok. Ok, on sécurise un petit peu. On va repasser par l'arbre. C'est pas mal parce que du coup, bon, on aura vraiment un vrai portail, un vrai accès. Voilà, c'est parfait. Bon, bah ça va, ça n'est plutôt bien sorti. Retour dans le biome bleu, donc logiquement plus de stress. Et le portail doit être du coup là-bas. Alors, par contre, on a trop exploré dans un sens. En fait, on est revenu beaucoup trop en arrière. Je pensais vraiment pour le coup que. Ah voilà, justement, qu'on n'allait pas. Ah non, c'est l'Underman, c'est pas le portail. je pensais ouais, vraiment qu'on n'allait pas du tout explorer aussi loin, mais apparemment si. Ok, on va être couche. Et juste par contre, le portail va être au-dessus, donc faut juste qu'on retrouve un moyen pour remonter plus. Oh! Ne regarde pas, mec. Logiquement, le portail doit être par là. Ouais, bah regardez, c'est les planches qui sont là. Parfait, bon bah super les amis, on a retrouvé du coup, on a passé 2 heures dans le Nether, on n'a pas trouvé de forteresse, mais on a au moins retrouvé notre chemin, qui est du coup juste au-dessus, je vais grimper comme ça. On a au moins retrouvé notre chemin, donc bon, on n'aura pas du tout trouvé ce pour quoi on était venu. On aura trouvé un vieux bastion, donc c'est déjà ça, même si c'est absolument pas la priorité, étant donné les attaques des autres, donc ça clairement c'est vraiment pas la priorité. Et voilà, au moins derrière on est tranquille. Allez, on va faire dodo. On va faire dodo et maintenant on va retourner dans l'overworld. On va reprendre nos esprits tranquillou. Et surtout, on va aller chercher du coup un petit peu de cuir. Parce que du coup, on a vraiment rien du tout pour faire les biblios. Je vais déjà quand même m'en occuper. Histoire de faire au moins déjà. On va essayer de mettre à pousser un petit peu au moins déjà la canne à sucre qu'on aurait éventuellement trouvé. J'ai pas de canne à sucre ? Non. C'est une catastrophe, les mecs, je n'ai aucune canne à sucre. Bon, bah, go trouver du coup de la canne à sucre et go trouver du cuir. On a du coup 10 livres, enfin 12 livres. On va déjà faire la table d'enchantement. Déjà pour savoir à peu près on en est à combien. On va déjà faire ça. Ah merde, attends, il me faut l'obsidiane aussi, forcément. Donc voilà, on va faire l'enchantement, hop, et voilà. Comme ça, on est tranquille. Et du coup, au niveau des biblios, nous sommes à 3 bibliothèques, ok. Et on a quasiment de quoi en faire une quatrième. Je crois qu'il y a 15 bibliothèques au total, hein. Attendez, je vais juste refaire mon calcul. Mais je crois bien que c'est ça. Il y a 1, 2, 3. Donc ça fait déjà 6. Plus 3 là, ça fait 12 exactement. Plus 3 encore. Donc c'est 15 biblios. On en a 3 du coup. Mais il va vraiment falloir pas mal de choses. Je vais laisser. J'ai retiré un petit peu les shaders pour que ça change un petit peu. On a quand même pas mal augmenté la distance d'affichage. Ça va quand même. En hein, 14, le PC tient bien. Je peux difficilement mettre plus. Quoique, attendez, je vais essayer pour voir un peu. Je vais mettre 20 chunks. 20 chunks, on voit déjà que c'est déjà un peu moins fluide. C'est déjà clairement un petit peu moins fluide. Bref, on a la maison du coup dans cette direction. Et on va vraiment du coup se diriger. Donc là-bas, on avait un village.
Là-bas, c'est un petit peu de là où on venait justement. À moins que sinon je parte vraiment 100% dans la direction de la maison derrière. Non, je vais partir un peu dans ce sens-là. À la recherche du coup d'animaux, c'est surtout ouais, bibliothèque, donc des vaches déjà, ça c'est top. Je devrais peut-être les ramener, mais entre guillemets, on essaiera vraiment d'en retrouver d'autres. Pour le moment, on va vraiment essayer de farm, mais de toute façon, il nous faut vraiment de la canne à sucre. Donc là, clairement, cet épisode et le prochain épisode, les amis, ce sera très honnêtement de l'épisode farming de ressources, récupération de ressources, vraiment un épisode là-dessus, quoi. Clairement, axé là-dessus. Donc, on va finaliser cet épisode comme ça. Et il nous faut clairement aussi de la canne à sucre, on n'a pas trouvé. Alors, tout ce qui est chevaux, ânes, canne à sucre, vaches, on récupère. Et ce sera pas mal. On a le jeu qui frise un peu quand même. Hein. On a le jeu qui frise un petit peu à certains moments vu qu'on génère et qu'on explore. Alors après, très honnêtement, on va y regarder. Même si on grimpe un petit peu, le 20 chunks fait quand même vraiment charger très loin. Hein. Très honnêtement, ça fait vraiment charger loin. Alors ça, c'est assez intéressant, mais c'est vrai que ça fait un petit peu bugger. On va réduire aussi un petit peu. Putain, il faut vraiment les mecs qu'on se rachète un PC pour jouer à Minecraft en full chunks chargé. C'est incroyable pour jouer à la Java Edition. Il va nous falloir un meilleur pros. La carte, encore je pense, a besoin de changer, mais il va nous falloir clairement un meilleur processeur. Donc on va voir, on va s'y atteler, on va s'attarder un petit peu à tout ça, quoi. On va regarder ça tranquillou. On a du coup dans cette direction aussi une frontière entre du coup la forêt et le biome sapin. Oh, petit igloo, on va regarder s'il n'y a pas un villageois en dessous. On va aller voir là sur les igloos comme ça. Non, il n'y a rien du tout. Je ne crois pas. De toute façon, il y a peu de chance hein, justement que ça spawn quand c'est comme ça. Il y a peu de chance que ça spawn. On va continuer. De toute façon, la maison est par là-bas. Donc, on va continuer dans cette direction. J'ai cru que c'était un biome sable. Attendez, je vais quand même réduire un petit peu. Je vais me remettre en 13. De toute façon, c'est pas ça qui change grand chose. De toute manière, vu que la map charge pas toujours du tout. Ok. Par contre, c'est vraiment maigre. Hein. Franchement, il y a très très peu d'animaux dans le coin. C'est quand même vraiment maigre. Hein. On a beaucoup de moutons autour de la maison. Mais alors, par contre, en termes de vaches, c'est absolument maigre. Franchement, c'est abusé comment il n'y a rien. Comment c'est le néant, c'est quand même dingue. Hein. Pas un seul animal. Franchement, la map est cool. Graphiquement, elle est sympa. Enfin, je trouve elle est bien générée. Alors, par contre, ça spawn pas. Et ça, c'est fou quand même. Et ça, c'est fou quand même que ça ne spawn pas comme ça. On a quoi? On a de l'eau. On a encore un biome glacé en fait, comme ça. Ouais, c'est même pas de l'eau, en fait, c'est vraiment un biome fou glacé avec du coup... Mais je crois, en fait, on était un petit peu déjà parti par là, justement, c'est par là, on a trouvé les épaves, en fait, la dernière fois, à mon avis. Donc là, clairement, c'est pareil, on va pas non plus trop repartir dans ce sens-là. Là-bas, on a encore un autre biome, vraiment glace, on est vraiment dans les terres du Nord, hein, sur cette map. On est vraiment dans les terres du Nord, pas un seul animal, rien. On est vraiment dans un biome... assez limité, on a de la canne à sucre au moins, c'est déjà ça. C'est vrai que la canne à sucre, par contre, je l'ai pas faite. Et on a du sable. Ici, on a du sable. Ok, des moutons, on s'en fout un peu, hein. Clairement. On s'en tape, c'est absolument pas du tout la priorité. On a encore une autre épave. Là-bas. Là, c'est biome sable, alors c'est bizarre, c'est... Snowy Beach, ok. Ouais, c'est une plage enneigée, en fait. C'est clairement pas biome sable. C'est juste plage enneigée. Et en effet, on a des igloos comme cela. Bah, parfait, super. On arrive dans un biome pleine. On a du coup, ouais, pareil, encore pas mal de sable ici. Ça, c'est pas mal. Si jamais, c'est quoi? C'est beach, ok. Biome plage, en fait. Avec du coup, ouais, c'est quand même assez large. Hein. On a un bateau qui est complètement... qui a complètement spawn dans la plage. On va essayer de le déterrer ce bateau pour voir s'il n'y a pas
Des choses intéressantes comme du papier par exemple ou même des blocs assez intéressants. J'ai pas bien l'impression de toute façon. Ouais, j'ai... Ah bah voilà. Ouais, c'est buggy, hein. C'est clairement buggy, hein. Waouh, ok. Bon là du coup on a l'avant du bateau, donc c'est derrière du coup. C'est dans cette direction. Ok. Est-ce qu'on a quelque chose? Rien. Bon, ok, on a rien du tout. Allez les mecs, super. On va se barrer de toute façon, on s'en tape. Eh bien écoutez les amis, on va s'arrêter là de toute façon du coup pour ce. Pour ce. Pour ce, pour cette deux, pour ce deuxième épisode, on va dire session entre le Nether et le farm du cuir pour la course à l'enchantement, on va dire. On va se laisser là du coup pour cet épisode. Et puis bah, les amis, on se retrouve très vite du coup pour l'épisode prochain. On va vraiment essayer de trouver des vaches de manière conséquente et essayer vraiment de trouver de quoi se finaliser un enchantement. Allez, sur ce, salut à tous les amis. Ciao, à la prochaine.